Jamais, en aucun cas, n'abandonnez jamais la foi. Ne laissez jamais la foi. La foi, pour faire nourrir la foi, pour faire nourrir notre foi, nous avons besoin de la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez. Alimentez-vous de cette parole afin que de nourrir votre âme, de nourrir votre homme intérieur, de faire croître votre personne spirituellement. Et ça va vous permettre à travers la parole de Dieu, chaque jour que vous serez nourri, chaque jour vous serez enseigné d'augmenter encore l'intensité de votre foi pour qu'à travers ce mystère de la foi, que Dieu fasse en sorte que ton miracle puisse se réaliser, que Dieu fasse en sorte que ta maladie puisse te quitter et que vous soyez guéri. Donc je crois à la grandeur ainsi qu'à la bonté de l'éternel. Parce que la Bible me dit, la main de l'éternel n'est pas courte pour agir ni son oreille dire pour entendre. Ce sont nos fautes. Donc c'est-à-dire, purifions-nous, demandons pardon à Dieu, afin qu'il nous, qu nous pardonne, afin que toutes nos fautes, tous nos péchés puissent être effacés. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je crois à toutes les bienfaits de l'Éternel, que l'Éternel est en train de réaliser, et de faire, d'accomplir dans votre vie. Et je sais que l'Éternel fera de grandes choses dans votre vie. Et j'aime bien ce genre de moments. C'est des moments de interaction enfin de venir dans votre maison enfin de venir auprès de vous pour vous booster pour vous encourager pour vous fortifier pour vous dire encore que jésus christ est vivant il vit encore il vit à jamais et la bible me dit notre seigneur notre sauveur il est le même hier aujourd'hui éternellement et qu'à travers la foi que vous avez en jésus christ à travers la foi que vous gardez en Jésus-Christ. Profitez et cherchez la face de l'Éternel pour que la foi opère des miracles dans votre vie. Pour que la foi opère des grandes choses dans votre famille. Pour que la foi ramène vivant tout ce qui était mort en toi, ainsi que en vous, ainsi que dans votre famille, dans, votre, dans vos actions, dans votre travail, pour que cela prenne encore vie. L'Éternel est merveilleux. Il nous a fait grâce par son amour et par sa bonté de prendre ce temps de partage pour te soutenir, te fortifier, pour que ce que l'Éternel a mis devant toi, cela devienne réel. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, car lui, il appelle en existence ce qui n'existait pas. Cela veut dire tout ce qui n'existait pas dans votre vie, l'Éternel est capable de faire. Et souvenez-vous, il est écrit « Rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. » C'est-à-dire, si le Seigneur a vaincu la mort, c'est-à-dire la victoire aussi t'appartient, à part la foi. Parce que, comme je venais de l'expliquer, de dire l'expression biblique qui déclare est que le juste vivra par la foi que ce mystère de la foi vous accompagne tout au long de votre vie. Et si notre Seigneur a vaincu la mort, je te vois aussi victorieux à cause de la foi et par la foi. Et s'il si a vaincu la mort, que ta maladie soit aussi vaincue, et cela au nom puissant de Jésus. Si le Seigneur a vaincu la mort, que tes problèmes soient aussi vaincus au nom puissant de Jésus et que toutes les bienfaits de l'éternel se manifestent dans votre vie. Soyez un de la gloire de Dieu, parce que vous n'êtes pas seul, vous ne marchez pas seul, vous ne vivez pas seul, car l'éternel, notre Dieu, est avec toi. Parce que la Bible me dit, l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'éternel et les arrache de tout danger. Et par la foi, je déclare que Dieu t'arrache de tout danger que l'ennemi mettra devant ta vie. Que Dieu t'arrache de tout danger que les sorciers mettra devant ta vie. Que Dieu t'arrache au oh nom puissant de Jésus de tout danger que tes ennemis chercheront à mettre devant toi. Car la foi amène l'homme près de l'éternel. La foi nous prouve que nous prions un Dieu véritable. La foi démontre à celui qui a la foi dans sa vie, démontre que son Dieu est réellement ressuscité. Et je crois, à travers ces petits temps, ça va te fortifier. C'est pour cela que j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, j'aime toujours recommander au peuple de Dieu, n'abandonnez jamais la foi. Première chose. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est un secret de la récite. Et c'est une façon aussi de nourrir votre foi. C'est pour cela que le Seigneur a dit, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné en disant, il a, répli, il a répliqué au diable en disant que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Donc, c'est-à-dire, manger cette parole, ça va te booster, ça va te donner la force d'entrer dans la profonde et de combattre toute force, toute puissance maléfique qui viendra perturber ta vie. Et il y a des choses qui nous prouvent et qui démontrent que nous sommes dans le véritable. Et je vois en vous et je vois l'amour de Dieu sur vous et je crois que l'éternel notre Dieu fera de toi une colonne de victoire. Et je crois... Que la victoire de la croix sera ton partage. Et je crois que la résurrection de la vie sera avec toi. C'est pour cela que la Bible nous dit Or, oh, la vie éternelle, celle qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils, Jésus-Christ, qui est celui qui t'y a envoyé. Et tu reconnais Jésus par la foi, et tu marches avec Jésus par la foi, tu vis avec Jésus par la foi, que la vie éternelle aussi domine dans votre vie. La vie éternelle. Et opère dans votre vie, on n'aura pas la vie éternelle, mais nous avons déjà la vie éternelle. Parce que après la mort, c'est le jugement. Après la mort, on ne peut plus enseigner la parole de Dieu. On ne peut plus parler de la part de l'éternel. La, de la, de la mais lorsqu'il y a la vie, au moment où il y a la vie, c'est encore possible. Je te dit et je vous dis, c'est encore possible. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est malade, ça fait des années. Pour quelqu'un qui est en captivité spirituelle, ça fait un temps. J'aimerais vous dire, j'aimerais te dire, ta liberté est encore possible. Je crois par la puissance de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, l'Éternel est capable de faire briser les chaînes. Louez l'Éternel. Parce que la louange brise les chaînes. Glorifiez le nom de l'Éternel. Car il mérite la louange et la gloire. C'est juste un petit moment. Je n'aimerais vraiment prendre un temps un peu plus long. Mais c'était, je suis juste venu, pris ce temps pour vous. Pour toi. Pour toi, mon père. Pour toi, ma fille. Pour toi, ma mère. Pour toi, ma sœur. Pour toi, mon frère en Christ. Pour que tu prennes conscience, ne perdez jamais la foi. Dans ta vie chrétienne, dans votre vie. Si vous avez quelque chose de plus précieux que vous ne pouvez en aucun cas perdre, c'est la foi. C'est pour cela, la Bible déclare, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre C'est pour cela, je viens de te dire, la foi, c'est un mystère. Le mystère de la foi te permet à recevoir quelque chose auprès de l'Éternel. Ne perds jamais la foi. Peu importe ce que les hommes feront, peu importe la manière dont les gens vont faire les choses, ne perds jamais la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose de précieux que vous avez par rapport à cette relation, bonne relation, conçue pour la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois déjà vous quitter. C'est pour cela que je vous salue au nom de Jésus-Christ partout à travers le monde là où vous êtes, vous qui nous soutenez par la prière, vous qui nous donnez des par des conseils, vous qui cherchez toujours à partager vos expériences de la foi avec nous et que Dieu vous bénisse. Moi, ainsi que toute l'ensemble de l'église Jésus-Christ-Vie et, et JCV, que vous suivez sur YouTube, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous serons là par l'amour de Dieu, par la volonté de Dieu. Chaque jour que l'Éternel nous donnera le souffle de vie, vous apportez quelque chose de la part de Dieu afin que cela puisse fortifier encore davantage votre foi. Afin que vous recevez encore de nouveau des bonnes choses que le Seigneur a mis devant vous. Et comme l'Éternel vous dit, comme la Bible nous enseigne, comme dit l'Éternel, Voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais il nous donne comme un bon père, un bon conseil. Choisissez la vie afin que tu vives longtemps. Et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il est la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc si dans votre vie, vous n'avez pas encore reçu celui qui est la résurrection et la vie, Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais vous dire, ne tardez pas, parce que ce monde court à sa perte. Comme disait l'apôtre Paul, quelle est l'importance de tout avoir ici bas, mais de ne pas aller au ciel. Et que la grâce, la miséricorde de Dieu s'opère dans votre vie. C'est pour cela, que je libère toutes les bénédictions de Dieu dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Et qu'aucune limitation diabolique ne puisse régner encore dans votre vie, au nom de Jésus. Et que celle, la volonté de Dieu, les bienfaits de l'éternel s'opèrent dans votre vie au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux qui sont malades. Je les déclare guéris au nom de Jésus-Christ. Et que l'action du Saint-Esprit de Dieu opère dans leur vie afin de briser tout le monde, au nom de Jésus. Il est écrit par tes précis que nous sommes guéris. Que le sang de Jésus témoigne leur guérison et qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime et je vous porte toujours dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. On se va se voir très bientôt si le Seigneur ne réveille pas demain et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom, shalom et shalom.